Salut tout le monde, c'est Jack Tarsonis et donc on continue cette aventure sur cette conquête de l'univers sur Sin of Solar Empire et c'est déjà le bordel dans ce coin-là. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est si loin du puits de gravité, lui? C'est quoi ce bordel? Processus de saut terminé. Mais normal, quoi. Bon. Donc oui, alors je continue à filmer en 1080. En partie tout simplement parce que j'ai toujours pas pu avoir vos retours, étant que je suis parlé dans la dernière vidéo, je crois, quelque chose comme ça. Et que bah toujours pas pour l'instant en ligne sur ma chaîne ou la chaîne Amatest.com. Donc bah je sais pas encore trop. À ce niveau-là. C'est quoi ce vaisseau? Ouais, 4 fois rien, on s'en branle. Notre flotte est attaquée. Donc oui, y a moyen d'en caser. Bon, voilà, je vais être plus tranquille. Donc oui, 1080, je voulais passer en 720 parce que le 1080, ça me fait faire des encodages d'1h30. Bon, le côté nostalgique de mon ancien PC qui mettait des plombes à encoder, ça sert pas à 2 minutes, mais bon. Mais alors, je sais pas, y a un truc bizarre vraiment avec les réglages dans le jeu. Donc j'ai voulu repasser en 720, en 1280 par 720, ce qui est le format 16e de base que tout le monde utilise en 720p. Voilà, c'est 720p, ensuite c'est 1080, voilà, ça fait... Pour ceux qui savent pas pourquoi ça passe d'un palier comme ça à l'autre, c'est tout simplement parce que c'est un multiple de 360. C'est, ça va comme ça, ça fait 360, 640... attendez... Non, bref, enfin, je sais plus, enfin, ça fait 360, 720, 1080, voilà, vous rachetez à chaque fois 360 à ce niveau-là. Et le truc, c'est que ce jeu ne dispose pas de ce format. Je sais pas si je peux aller voir ça. Voilà, regardez les formats qui sont disponibles. Il y a pas de 720 dans le tas. Donc j'ai essayé de passer par un format un peu hybride, quoi. Mais quand je fais ça, en fait, ça prend pas tout l'écran de ma télé. Je sais pas pourquoi. Ça me fait un tout petit cadre, genre merde, je perds ma souris. Ça fait genre un cadre là, comme ça, quoi, en plein milieu. Pourquoi? Je sais pas. Donc on va continuer en 1024. Merde, j'ai oublié de faire de l'espace sur mon disque dur. Ça va être chaud. Bon, au pire, quand ça me refera un retour Windows, je mettrai vite fait le jeu en pause et puis je m'occuperai de faire un peu de place, peut-être. Vite fait. Parce que je suis sûr que ça va me refaire. Qu'est-ce que je disais? Aussi, oui. Donc, il y a quelqu'un sur l'ordinateur, désolé vraiment, j'ai pas la mémoire des pseudos, je voulais aller voir juste avant, mais j'ai oublié, qui essaie de me donner 2-3 conseils au niveau du jeu, puisqu'il le connaît assez bien apparemment, voire même très bien. Donc si jamais il y a des gens qui regardent et que la série est en cours, donc dans les derniers épisodes qui sortent, si vous pouvez donner des conseils, je dis pas non. Que c'est vrai que c'est un jeu que je connais, mais que je connais pas extrêmement, donc des fois qu'il y ait une méga astuce de la mort que je connais pas, ça peut être pratique. Donc n'hésitez pas, mais par contre, voilà, si la série est finie depuis 3 ans, ou que si vous êtes voilà à la vidéo 7 alors qu'il y en a 14, ça sert à rien de les poser, donner des conseils maintenant. Attendez de voir ce qui se passe par la suite. Merci à lui, personne que je ne me souviens jamais du pseudo, que je me souviens pas du pseudo plutôt. Donc voilà, et aussi, je dis tout le temps qu'il faut pas que je filme tard, et ben là j'ai filmé tard, il est 1h du mat, donc j'espère que ça roulera, mais j'étais motivé, donc je me suis dit c'est l'occasion, jamais, surtout qu'il me refaut des enregistrements, on va dire, puisque je tombe un peu à court là. Faut aussi que j'en filme du Halo. Par contre, ils vont vers où, eux? Donnez les ordres. Ouais, c'est ça, ils vont vers le trou de verre. Alors, je vais laisser... Les renforts alliés sont arrivés. Je vais laisser plein de troupes au trou de verre, et plutôt que de chercher... La prochaine étape, ça va être de passer d'étoile à étoile, donc c'est-à-dire cette étoile-là à l'étoile là, pour aller continuer à péter la gueule aux autres. Et je vais utiliser le trou de verre. Je vais attendre d'avoir attaqué le trou de verre. Parce que sinon ils vont continuer à se pointer dans mon cul.
c'était pas la bonne expression à dire. Ils vont pas arrêter de se pointer dans mon dos pour aller me faire chier. Et non, c'est pas tolérable. Donc le noyau, l'étoile, mon allié va s'en occuper, je pense, c'est bon, des ça devrait le faire. Alliés sont arrivés. Donc les putain, alliés qui s'est passé là. Ah d'accord, j'ai suivi le vaisseau, donc j'ai suivi son entrée dans le trou de verre. Ok, tout va bien. C'est quoi ça? C'est ta porte. Attaquez-moi le vaisseau mère. Bon, il se barre, remarque. Je vais laisser les troupes en stationnement là. Un empire est devenu plus profitable. Ça c'est sûr. Il y a beaucoup de trous de verre, il y en a un autre. Les renforts alliés sont arrivés. Ne nous décevez pas en accomplissant. Avec des trous de verre. Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, toi. De toute façon, je vais trouver dessus en 30 secondes. non, c'est pas lui que j'attaque. Le prochain, c'est le bleu ciel. Vous avez du boulot pour moi? Ils sont beaucoup là encore là. Pas trop. Parfait. À l'attaque. Ils peuvent pas attaquer là. Enfin, une capacité à la con, ça. S'en est où? Ouais, ils vont se faire rouler dessous sous peu. Il y a du travail à accomplir. Cela vous intéresse? Où dois-je aller? Des renforts alliés sont arrivés. Oh putain, comment ça fait que j'ai autant de gus ici? Communication établie. Est-ce que les vaisseaux sont... Non, ils sont pas tous à fait. Je suis en attente. Ah oui, donc la personne qui m'a des conseils, ça coûte combien ça? Bah vas-y, toutes les thunes que j'ai. Il m'a dit que la batterie en suicide ça marche très bien. Je fais confiance. Si ça marche pas bien, établie. Vous savez à qui vous plaindre. Plus des chasseurs. Je suis en attente. Alors vous, comme il y a peu les de chance qu'on vienne me faire chier par ici... Non, d'abord, rejoignez cette planète-là. J'essaie de tenir dans le coin là, avec les troupes que j'ai pour le moment. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait, il y a des vaisseaux encore? Les forces alliées sont attaquées! C'est quoi ça? D'éclaireur. Du coup, j'essaie de tenir le coin là, comme je peux, avec les vaisseaux que j'ai actuellement. Attention, préparez-vous pour le saut. Et en attendant que des renforts alliés sont arrivés. Toute ma flotte qui est dans le coin repasse par ici, il leur écrase la gueule. Je saurais le faire, je crois que le bleu ciel doit pas avoir grand chose comme armée. Enfin, je présume. Comment ça se passe ici? Vous avez du boulot pour moi? Ouais, ils sont en train de se faire massacrer. Faut dire qu'il a quoi surtout comme escadrille là. Ah, j'arrive pas à voir, bordel. Chasseur, chasseur, bombardier, bombardier. Enfin, pourtant il y a un mix, j'aurais pensé que ça aurait été un peu mieux. Bah toi je t'avais pas dit de construire des défenses, bon ils ont dû sans doute se faire défoncer, remarque. Les renforts alliés sont arrivés. Ils sont certainement fait des glingos. Enfin, pas de forme de réparation ça. Aussi. Et comme c'est une planète qui est directement à tirer en attaquant un empire. À portée du trou de verre. Merde, je vais ouvrir. J'ai bien la fortifié quand même. Notre amie est arrivée. Un peu outrance, mais notre flotte est attaquée. Des renforts alliés sont arrivés. J'ai envie de dire qu'il faut ce qu'il faut au pire. D'autres améliorations de la planète sont nécessaires. Il fuit! À mon signal. Tiens, les mecs là-bas, là. Rassemblement. Où est la cible? Merde, attendez, j'ai surtout des javelis là, non? Ah ouais, j'ai quasiment que des javelis en fait là-bas. Développement de la planète terminé. Voilà! Il y a du monde là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pas de vaisseau mère. Quoi que j'ai pas laissé de vaisseau mère en fait ici. Les renforts alliés sont arrivés. Ouais, j'ai des porte-avions percherons, c'est cool, mais. Oups. Commandant sur la passerelle. Retraite. Excellent plan. Ça sert à rien de perdre des unités pour rien. Le bleu il se barre à l'autre bout de l'univers alors qu'on a encore des problèmes dans notre galaxie, enfin dans notre galaxie, dans votre système solaire déjà. Il est fou, lui.
C'est bon, ils sont arrivés, les autres. Okay, c'est cool. Commandant, sur la passerelle. Bâtiment terminé. Ah, j'ai quoi dans les... frégates de ciel et ressources, qu'est-ce que ça fout là, ça? Que puis-je réparer? Bref. Et maintenant? Des renforts alliés sont arrivés. Ouais, c'est un trou de verre aussi, ça. J'ai un trou de verre juste en face de chez moi, là. Ouais, il faut plus de cristaux. Bon, t'inquiète, les cristaux. Le pognon qui va. Attends que j'ai plein de planètes pour me faire chier. Une flotte amie est arrivée. J'ai vraiment les fortifier, les machines. Ça va devenir des forteresses, les planètes. Un truc de taré. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bâtiment terminé. Il n'y a aucun avantage à tirer en attaquant un empire. Un autre bâtiment nous en empêche. Nous manquons de métal. À la pété. Peut-être que nous vous avons sous-estimé. Ouais, plus place. Les forces alliées sont attaquées. Voilà, c'est pas trop mal. Bâtiment terminé. Des renforts alliés sont arrivés. Ouais, pas mal. Développement de la planète terminé. Alors, faut que je me concentre aussi un peu sur mes recherches, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure... Je me concentre essentiellement sur la stratégie militaire, mais bon... Bâtiment terminé. Ça serait bien quand même aussi que... j'évolue un peu de ce côté. Des renforts alliés sont arrivés. Ouais, c'est vrai que les recherches du minerai m'avaient dit que c'est quand même important, et c'est vrai que pour l'instant, je laisse un peu ça. Peut-être désertique, j'en ai quasiment pas. Bâtiment terminé. Ça par contre, ça peut être pas mal. Ça va monter un peu plus ma population sur les planètes de type Terre. Ça augmente encore plus mes thunes qui sont déjà un nombre affolant. Bâtiment terminé. Et on va un peu dépenser thunes pour... C'est quoi ça? Saut longue portée, parce que je trouve de verre. Il me faut deux encore structures de recherche. Des renforts alliés sont arrivés. Ouais, ouais. Labo de recherche. Développement de la planète là, terminée. Pouvoir... Non, bon, ouais. On va augmenter la place. Une flotte amie est arrivée. Il n'y a aucun avantage à tirer en attaquant un empire. Alors, ouais, je fais pas du tout attention aux fluctuations du marché noir et tout ça, parce que j'en ai un peu rien à péter, en fait. Il me faut des thunes, j'en prends. Il me faut du métal, j'en prends. Je cherche pas plus que ça. Bâtiment terminé. Ah, bordel. C'est un peu chiant, là, le machin, il s'est foutu comme ça, là, c'est bordel. Bon. Bâtiment eh ben, les mecs. Vous avez putain de raser une planète. En plus, il y a un artefact, là. Tant mieux. Les forces alliées sont attaquées. Une flotte amie est arrivée. Développement de la planète terminé. Faut que j'augmente ma flotte. C'est vrai que pour l'instant, pour conquérir un système, sont arrivés. Ça passe. Et après, quand je vais devoir commencer à diviser un peu mon armée pour garder quand même une flotte dans le système. Recherche terminée. Et ben, vous avez du boulot pour moi? Les mecs, allez... je ferai de mon mieux. Allez défendre le trou noir. Hein. Au rapport. Bon, ça se passe ici. Bâtiment terminé. Alors, armistice. Putain, armistice, j'ai dit, j'ai pas. Donc, améliorer la fonction colonisée. Ça sert à rien. Bâtiment terminé. Je veux dire, ça peut aider pour bâtiment les extracteurs, terminé. Mais... si j'ai des extracteurs à poser sur des... En fait, si vous voulez, sur... Est putain, il y a moyen de discuter en seconde. Il y a certains puits de gravité, donc vous avez vu qu'ils sont pas des planètes, mais qu'ils sont... Quand vous créez un monde, c'est considéré comme des planètes quand même. C'est-à-dire là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un astéroïde dans le tas, mais qu'il est à personne. Et ben, il faut... on peut aller le coloniser, dans ce cas-là. Bon, le truc, c'est qu'il vous faut quelque chose pour le coloniser. Et c'est ce que ça permettrait d'augmenter les mobilisations, apparemment, vous qui avez créé extracteur libre, 0 sur ça passe à 1. Terminé. Ça m'intéresse pas, je préfère autant balancer un petit vaisseau à la con qui va s'en occuper plutôt que de balancer mon gros vaisseau mère, quoi. On va mettre l'armistice du coup. Hein.
Recherche terminée. Bâtiment terminé. Alors ici. Putain! Ces missiles ne vont pas se lancer tout seuls! Putain, il y a une grosse flotte pour un coin aussi paumé. Cible verrouillée et à portée. Je vais lui. Communication latter établie. Les couilles de son vaisseau mère. En barreaux aux oriens. Ça, ils vont vite en fait, mes vaisseaux. Putain, ils vont plus vite que les escadrons. C'est bizarre ça, il me semblait pas avoir augmenté ça. Il fuit! Faites cela rapidement, si comment il se barre avec la queue entre les jambes! Ah, comment t'es faible! Bon, bah, les mecs. Tous, les as. Arrêtez-vous, ça sert à rien. Centre de diffusion. Centre de diffusion. Putain, il a mis combien de centre de diffusion? Communication établie. Bon, bah, les mecs. Liaison radio établie. On rase la planète. On fait la place. Alors viens voir qu'est-ce que ça donne alors ce machin. Bâtiment terminé. Comment ça attaque et tout. Flotte amie est arrivée. Ah ça attaque d'abord pas mal loin quand même ça. Bah même distance qu'une javeline je présume. C'est combien de dégâts 16. Ouais c'est honorable. Ouais, c'est pas. Bon, ça rajoute un javeline en plus, j'ai envie de dire. C'est pas. Des renforts alliés sont arrivés. Je m'attendais à mieux. Il va réussir à se barrer. Bizarrement. Les forces alliées sont attaquées. Vaisseau mère, parce qu'il me manque encore un vaisseau mère normalement. Notre patience face à l'échec a ses limites. La gueule. Je m'en fous de ta rochette. C'est ta patience. C'est rien d'insignifiant. Ouais, je m'occupe de 130 secondes. Détruire structure. Bah voilà. Je crois que j'en ai. C'est ça qui me demande de structure répétée. Ah non, c'est des tourelles, enfin c'est structure et défense, il y en a quasiment pas là, dommage. Pour le coup. Votre échec n'a pas fait bonne impression. Je m'en fous de ta gueule. Attends, c'est pas lui en plus, c'est pas lui, c'est pas... Non, c'est pas lui. C'est le ver clair. Ah, le ver clair, je crois qu'il commence à avoir pas mal d'espace lui. Faut que je fasse gaffe à ce mec. Celui qui avait commencé à conquérir des planètes dans d'autres systèmes. Alors, attendez, ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Escorteur Arcan, ça j'ai pas fait, je crois. Si, bah si, c'est ce que je fais économiser, oui. Restauration bouclier, magnétiseur. Donc c'est celui-là que j'ai pas fait encore. Recherche terminée. Putain, mais les trucs que j'ai. Comme quoi, j'ai vraiment bien fait, hein. Je veux dire, voilà, toutes les thunes que je rentre. Continuez je rentre 40 par seconde. Donc on m'a dit que c'était... Enfin, la personne qui m'a conseillé m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Les cuirassés marchent, ça marche bien. Bon bah, cuirassés marchent. Tu sais comment je l'ai dit, cuirassés marchent. Il faut plus de cristaux. Et voilà tes cristaux. On va en faire 4. Bon, le percheron, on va en mettre 2 pour le moment. Puis, quoique, je peux encore acheter un peu de cristaux. Enfin, j'en fous 2. Voici mes créations. Une flotte amie est arrivée. Bon, ici, ça se passe comment? Bien, j'imagine. Ouais, ça se passe pas mal, ouais. Les renforts alliés sont arrivés. Les forces mec, il y a 300 de diffusion, quoi, c'est un taré. Il a complètement craqué, le mec. Voici mes créations. Bon, ici, apparemment, ça se passe bien. Voici mes créations. Prêt à combattre. Je suis pas meilleur. Nous avons éliminé une colonie ennemie. Chasseur. Alors, c'est que ce bouclier adaptatif. Réduction des dégâts, chance de bloquer les missiles. Ouais, c'est pas mal, mais. Ah, le méga Raygun de la mort. Escadrille à vos ordres. Ah, c'est pas mal quand même aussi. Escadrille à vos ordres. Des renforts. Bon, il y a un garde d'assaut, je m'en fous un peu en fait. Allez. Enfin, pour le méga Ranon de Rayon de la mort. Parce que j'aime bien le méga Rayon de la mort. Y'a rien de.
Elle bien dangereux. Ils vont vers par là. Bon, je m'en fous, c'est pas mon système. Les renseignements signalent qu'un raid de pirates est en approche. Ouais, c'est bien qu'ils y viennent. Escadrille à vos ordres. Qu'ils essaient de s'y frotter. Ne nous décevez pas en accomplissant cette tâche. Ah, c'est vrai que j'ai pas de vaisseau de colonisation ici. C'est con ça. Il y a du travail à accomplir. Cela vous intéresse ? Bien. Les pirates sont repartis dans l'espace. Mais qu'ils y crèvent la bouche ouverte dans leur espace à la con. J'en ai rien à péter. À vos ordres ! Des renforts alliés sont arrivés. Excellent plan ! Les forces alliées sont attaquées. Recherche trou de verre aussi. À vos ordres. Artillerie à vos ordres. À vos ordres. Parce que je fais un vaisseau de colonisation quand même, juste pour ça. Allez, je vais. Hop, hop. Protève. C'est ça ? Efficace versus rien. J'adore que c'est écrit ça. Artillerie à vos ordres. Ça, j'arrive pas à lire. Des renforts alliés sont arrivés. Bah si, c'est ça. Il y a un frégate capable d'établir des avant-postes. Ouais, mais si, c'est ça. Je louchais total. À accomplir. Bon, de toute façon, il y a... Il y a encore l'influence du bleu clair dessus, apparemment. Donnez les ordres. Bon les mecs, on va continuer un peu le massacre. Je ferai de mon mieux. À vos ordres. Il n'y a aucun avantage à tirer en attaquant un empire. Ouais, il n'y a aucun avantage à tirer les machins empire. Vous donnez la cible, je la détruis. C'est le bon esprit. Je vous reçois fort et clair. Artillerie à vos ordres. Et on va se... Bah... Coup, ouais. Ouais. Notre flotte est attaquée. Coup ça. Quoi là ? À vos ordres. Bah, l'attaque est rien du tout. Ferme-moi ça, y a rien. À coup d'attaque, tu me tires dans la gueule, y a plus rien. La planète de notre allié est assiégée. Par contre, ici, du coup, je pense que c'est bon. Pas besoin de continuer à stocker des vaisseaux dans le coin. Je crois que en ça avant, va. Lentement. Par contre, j'ai pas dit de construire les vaisseaux de. Ouais, une flotte amie est arrivée. Calcul des coordonnées de saut. Maintenant, je vais être bon pour les trucs. Les renforts alliés sont arrivés. Bouclier plein. Termoine. Ingénieur détecteur de signature phasique et de calculateur de portée permet de détection de vaisseaux ennemis sautant vers vos planètes. Attention, préparez-vous pour le saut. La sonde ascendante permet la détection des vaisseaux ennemis se déplaçant vers vos planètes pendant toute la sonde. Hop. Votre échec n'a pas fait bonne impression. Allez hop, je fous maintenant. Des renforts alliés sont arrivés. Oh, je pense que maintenant on va se concentrer plutôt sur le militaire. C'est quoi ça ? Sabotage ? Réacteur. La réacteur en frégates légères cobalt leur permettant de mieux combattre les frégates, les structures avec antimatière. Il me faut absolument ça. Nous on a pas dit que ça existait ce machin. Est-ce que les frégates légères cobalt? C'est ça. Donnez les ordres. C'est toute mon armée, quoi. C'est la moitié de mon armée. Continuez comme cela et nous resterons amis. Et si tout ça, ça a le moyen de foutre en l'air les réacteurs de mes ennemis, je pense que ça risque un peu de les faire chier. Donc ça me semble une bonne idée de développer ça. Arrivés. Nous manquons de métal. Pas grave.
Quoi encore? C'est quoi ça? C'est rien ça. À vos ordres. Recherche terminée. Je ferai de mon mieux.